Bonjour, nouveau vlog. Nous sommes quand ? Mardi 31 janvier. Je pars emmener ma maman pour rencontrer le chirurgien. C'est post-op hein, pour voir si tout va bien 6 jours après l'opération. Ce matin, j'ai reçu quelque chose. Eric, il nous a commandé, il ne m'avait pas dit, un aspirateur, un Dyson. Et c'est cool parce que j'en ai un, vous savez, sans fil et tout. Celui-ci, je l'avais eu en collaboration. Celui-ci, donc c'est Eric qui l'a payé. La tige était cassée complètement. Par contre, c'est vrai que quand tu mettais les petits embouts pour faire l'escalier, ça c'est bon, ça marche encore. Mais j'avais plus vraiment l'aspirateur. Et il nous a pris un petit Dyson Big Ball. Même la nana qui nous a livré, elle a dit, si je peux me permettre, j'ai le même et il est formidable. Donc c'est cool pour les tapis, les sols, c'est le parquet 2. J'ai hâte de l'utiliser, je vous le montrerai vite fait. En rentrant soit ce soir, soit demain, parce que ça va être très certainement un vlog sur 2 jours. Voilà, j'ai tout dit. J'adore cette tenue. Ah, elle arrive. Bon, on en a pour une petite cinquantaine. Ah oui, c'est le 31, c'est le deuxième jour de la grosse manifestation. Mais vu l'heure, je pense que tout le monde est en place, même s'il y a eu apparemment à Chartres la première fois plus de 10 000 manifestants. Non, je pense pas, c'est quand même en périphérie, donc ça devrait le faire. Puis au pire, on va gérer. Vous avez vu, lunettes de soleil. C'est plutôt cool, hein. 31 janvier, lunettes de soleil. Coucou, maman. Taxi Caroline. C'est moi-même. Entrez, madame. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis arrivée à l'hôpital. Je prends déjà ma petite bouteille d'eau. Et on a déjà fait tous les papiers. C'est bon, il n'y a plus qu'à. Alors, bah, je vous retrouve. Nous sommes le 2 février. Quand j'étais à l'hôpital, on est rentré trop tard, ce qui fait que bon, il faisait nuit, donc je suis restée un peu chez avec elle. Et hier, et ben forcément, il fallait que je bosse toute la journée pour rattraper mon retard. J'avais plein de rendez-vous et franchement, ça fait du bien aussi de se poser. J'ai pas pu tourner, j'ai pas fait d'écran, j'ai fait pas mal de coups de téléphone et j'ai finalisé quoi ? La box de février, la box escapade parisienne, elle va être incroyable, du très très lourd. Elle est en commande hein. Actuellement jusqu'au, ça va aller vite, jusqu'au 10 février. Et donc en fait hier, attendez, j'ai l'impression que c'est un petit peu loin. Et donc en fait, le rendez-vous avec le chirurgien post-op, ça s'est très très bien passé. Il est vraiment d'un professionnalisme. Et puis d'un humanisme surtout avec ma maman, ça fait super plaisir. Il nous a bien confirmé que j'avais bien raison d'insister. On est passé à ça de la péritonite qui aurait entraîné quoi ? Une septicémie, infection généralisée. Si on avait attendu encore un petit peu. Ma maman, je vous rappelle, quand elle avait ses douleurs, c'était non, c'est bon, je gère, je vais prendre 2 spasons et ça va passer. Je lui dis non, pas du tout. Au vu de tes résultats et des symptômes, c'est hors de question, tu restes pas comme ça. Comme quoi, insister, enfin, je sais pas, quand il se passe ce genre de choses, c'est quand même du très, très, très sérieux. Donc voilà, ça, c'est bien. Demain, j'ai rendez-vous, alors, à 50 km, à 8h du matin, j'emmène ma maman pour, deuxième chose, cette fois-ci, chirurgien, donc, de l'oreille, parce qu'elle s'est déjà fait retirer un morceau du lobe supérieur. Et donc, il est nécessaire de refaire une autre opération et qu'on discute un peu de tout ça. Et c'est demain. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait que je m'avance à fond la caisse hier, ce matin aussi. Et là, j'ai un rendez-vous, il est 12h48, j'ai une visio avec l'équipe qui s'occupe de la plateforme de mon site Box Loser. Je me dis, on va faire une refonte, ils veulent, avec un designer, refaire tout le site et puis on va un petit peu discuter de ce que je vous avais dit. Voilà où nous en sommes. Et évidemment, l'aspirateur que j'ai testé hier, il est formidable. Ça aspire, mais j'ai jamais vu un aspirateur qui aspire autant au niveau du tapis, c'est de la folie. Alors Eric, il s'est un peu enflammé, il m'a dit je le prends, tu vas voir, il n'y a aucun entretien, t'as pas besoin de nettoyer quoi que ce soit. Si, si, ce qui est normal, le filtre, à l'eau, c'est pas grave, faut vider le truc quand même, mais il est top. Et le côté parquet, parce que nous on a beaucoup de parquet, de différencier ça par exemple, c'est pour tout ce qui est tapis, et l'autre qui est déjà installé, c'est tout ce qui est parquet, sol, tout ça. Il est calme, je suis très contente. Je vous montre quand même vite fait à quoi il ressemble. Et on doit également, donc avant 14h, il est 12h51, tout préparer pour la déchetterie parce que j'ai encore accumulé plein de cartons, j'en ai partout avec tous mes arrivages. Donc il faut que je les plie, il faut que je fasse ça. Et Eric m'a dit que lui, vu que j'ai ma visio, c'est toute une organisation, avant d'aller au lycée, puisqu'il reprend les cours à
3h, je crois, il va aller déposer tout à la déchette. Franchement, c'est cool, parce que c'est mon job normalement, mais là, j'avoue que je n'aurai pas le temps. Aussi, juste avant que je reprenne la caméra, je me suis ouvert la lèvre. Ça, je ne sais pas si ça se voit. Une petite peau qui me gênait, j'ai tiré. Ah, putain. J'ai tiré sur la peau. Et tout est parti. Ça a saigné. Donc là, j'ai réussi... à calmer tout ça, mais je pense que je vais avoir une jolie cicatrice. C'était juste pour vous dire ça. Au lieu de surveiller ta mère, tu veux pas ranger la vaisselle que maman l'a lavée derrière toi? Non? Ça serait cool, ça pourrait m'avancer. Ça, c'est pour la visio, en attendant tout à l'heure. C'est donc le Dyson Big Ball Parquet 2. Il a une forme qui lui permet d'être rotatif. Quand tu tires un petit peu trop, franchement, il me plaît beaucoup. Alors c'est vrai, je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant, mais il aspire de fou, surtout avec celui-là, c'est impressionnant. Il est là, le petit, il a un joli design en plus, hein. Il est facile d'utilisation. Là, il va falloir que je le vide. C'est là qu'on se rend compte, les poils de chat, il y en a quand même beaucoup. Hein. J'ai remis un col comme ça, que je ne supporte pas, ça me gratte. Ça, c'est moi et toutes mes contradictions. Voilà. Je ne vous ai pas dit également, on a pour projet de changer ces chaises de bar. Donc il y en a deux, elles étaient amovibles. Voilà, bon, on les a depuis qu'on s'est installé ici, enfin qu'on a acheté la maison. Elles sont bien abîmées parce que Jack y est pour beaucoup. Et je pense que j'aimerais en prendre trois. Une, deux et une ici parce que je me suis rendu compte qu'avec le nouvel aménagement, on mangeait aussi sur le côté. Mais elles seront plus hautes parce qu'elles ne seront pas amovibles. Et j'en veux qu'il soit un peu original. Une petite touche de couleur, pourquoi pas. Et je pense que ça va donner un caractère super sympa. Ça, c'est le projet à venir pour la maison. J'ai dû faire une trentaine de va-et-vient dans l'escalier. J'ai fait tous les cartons. Je les ai pliés. J'ai fait le tri entre le tout venant que j'ai mis dans des sacs plastiques. Les cartons qu'il faut, forcément, quand tu vas à la déchetterie, il faut qu'ils soient à plat, hein, au mieux. J'en peux plus, je me suis pris une suée. En plus, quelle idée de faire ça avec ça qui me sert. Il est 13h32, mon rendez-vous, donc c'est à 14h, on est bon. Et là, je crois que j'ai tout bien préparé pour Eric. Je vous montre. Voilà où nous en sommes. Il y en a aussi forcément un peu derrière. Donc là, ça c'est la palette. Et tous les sacs ici. Tout venant, il y en a 4. Ben oui, toi tu m'as absolument pas aidé. Je vais préparer donc le setup, comme on dit. Je suis coiffée, laisse tomber. Et puis, non mais regardez. Arrête Jackie, c'est ma robe de chambre qui est nouée. Je suis sûre qu'on va le voir quand je vais faire. Parce que c'est avec ça que je fais les visios. Je ne supporte pas. Je vais allumer. Est-ce que... Oh là là, ça fait des plaques. Ça me démange de partout. Bon, je vous reprends, je pense que ça sera après la visio. 13h57. Je suis obligée de fermer parce que quoi que Jackie va... Parce que Eric il va faire des allers-retours, je pense à la déchetterie, mais je pense que Jack va pleurer. Donc là je suis en train de faire mon petit réglage. Je me mets là. J'ai mon bas de pour être à l'aise, mais ça ne se voit pas. Et voilà, j'attends. J'attends qu'on m'appelle. Il est 2h32, j'ai terminé. Ah oui d'accord, ouais. Non, forcément, ça ne passe pas. Je suis très contente. Le site va être, je pense, très très bien. Donc il fallait que je donne un peu les éléments, les moodboards, la charte graphique, la colorimétrie, les éléments qu'on va mettre en plus. Donc il y aura des vidéos, il y aura des témoignages, vos témoignages quand vous recevez la box. Donc je vous citerai, je mettrai par exemple, je sais pas moi, Nathalie de Paris, ça rime, ce genre de choses. On va dynamiser tout ça, ça va être très très chouette. Voilà, ça a duré 30 minutes et... je suis très contente. Je monte, je fais le montage. Par contre, on en a un là. Il n'a pas arrêté. Donc, elle était là, dit bonjour le chat. Il passait devant la caméra. Oui. Tu faisais le foufou. Ah oui, tu respectes pas le travail de ta mère. Pas du tout. Non, mais ça, merci. Eric, là, il est parti. Alors, pareil, on entendait le bruit des cartons, des bouteilles, des machins. J'ai d'ailleurs constaté. Oh, il a pas tout pris. Pourquoi il a pas pris? C'est pour la déchette, ça aussi. Ah, peut-être qu'il n'avait plus de place. Mince. Parce que si je mets ça, c'est du tout venant. Est-ce que je... Ah, quoi, on est quand jeudi? Je peux peut-être les mettre. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais les mettre ce soir. Je vais d'ailleurs en profiter. Hop, comme ça, je vais faire... Parce que là, du coup, il y a plein de petites choses par terre. Je vais me faire avec la brosse parquet. Et pour le paillasson qui a bien morflé aussi, je ferai l'autre brosse. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver un paillasson un peu sympa. Parce que ça, c'est vraiment le truc d'origine. Mais ça doit être du sur-mesure. Je pense. Je viens d'appuyer, je ne l'ai pas branché. Je sais que c'est un Dyson, mais c'est un minimum quand même.
là je vais changer de brosse. Ça c'est vraiment le top. Celle-ci elle est impressionnante d'efficacité. Hop. Bon ben voilà, c'est nickel. Je ne vous ai pas montré, et je vais vous montrer maintenant, le cadeau de la box Gold du mois de février. Je rappelle, le thème de la box c'est escapade parisienne. C'est trop joli, vous allez voir. Alors ce mois-ci, l'un des abonnés recevra tout un bijou. Enfin, vous allez voir, le concept il est top. De la marque Âme Buissonnière Paris, et c'est le modèle évidemment pour aller avec dans le thème Paris m'a bien aimé. Alors qu'est-ce que c'est? Et bien ce sont des bijoux olfactifs. Enfin, l'une d'entre vous qui prendra la box de février aura en plus du contenu de sa sublime box, je le rappelle, j'insiste, vous verrez vous-même. Donc voilà, il s'agit donc d'un bracelet, tout est tellement joli, s'échapper le temps d'une respiration, fermez les yeux, vous êtes ailleurs. Et la même chose in English. J'ai l'impression que la lumière elle est limite. Donc petit pochon. Je fais attention parce que c'est pas le mien celui-ci. Ah là j'ai l'impression qu'on le voit bien. Donc en fait c'est le. J'ai choisi donc le motif cœur évidemment. C'est un bracelet qui est ajustable. C'est du plaqué or 1 micron. Il coûte 80 euros. Est-ce que vous allez voir? Enfin il est super joli porté. Je sais pas si ça va rendre. Et en fait, on vient juste dévisser, tourner sur la gauche, à l'inverse des aiguilles d'une montre. Et on va venir déposer des petites perles de parfum. Regardez comme c'est bien présenté. Donc dans cet étui, il y a la petite pince à épiler. C'est super mignon et c'est un chouette cadeau, je trouve. Voilà, donc ça, c'est le cadeau de février. D'ailleurs, il va falloir que je fasse les visuels pour actualiser. Il me semble qu'il y en a un qui a pris ses aises. Ah, il est bien là, sur sa peau de bête. T'es bien ? C'est bien. Je vais en profiter, je me prends ma pause de 4 heures pour me faire une petite infusion. J'ai faim parce que ce midi, j'ai mangé 2 tartines Vaza avec une tranche de chèvre. Forcément, ça suffit pas. Sur le long terme, ça tient pas. Donc je pense que je vais me prendre mon infusion. Je vais grignoter, je remonte, finir le montage. Et je vous fais un bisou. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vlogs. Voilà, bisous. Ciao.